Ok, alors les gars, on a fait un épisode 3, il puait la merde. Pourquoi? Parce que j'ai fait planter mon micro, en fait, du coup, on m'entendait pas. Du coup, je vais pas mettre cet épisode 3 en ligne, je vais mettre celui-là. Pourquoi? Parce que, bah voilà. Alors, dans l'ancien épisode 2, oh parfait ça. Dans l'ancien épisode 2, on avait. Enfin, dans l'ancien épisode 2, dans l'épisode 3, maudit là, qui a planté. On avait allé voir ce souvenir résiduel. On va aller le réécouter, parce que. Voilà, hein. Parce que vu que cette vidéo ne devait jamais être en ligne. Voilà, c'est ça, un train pour nulle part. Voilà, écoutez bien, je débranche mon micro, je vous retrouve après. Et voilà, donc il est temps de se retrouver cette femme, très chers amis. Voir qu'il a littéralement, on voit littéralement ses poumons, c'est dark, hein, c'est horrible. Elle s'est fait, alors on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas qui l'a attaqué. Enfin, ceux qui ont fini le jeu, et moi je le sais. Évidemment, vu que je suis gentil, je ne vous spoil pas, et ceux qui sont dans les commentaires ne vont pas vous spoiler. Alors, voilà, alors, je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui il y a un problème, je suis maudit. Entre l'épisode 2 qui fait parce qu'il dure que 26 minutes, entre le premier épisode 3 qui a fait parce que j'ai fait tomber mon micro, j'ai branché le câble du mauvais côté, du coup ce qui faisait qu'on n'entendait pas ma voix. Ah, je suis désolé, hein, vraiment aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'avais fait cette vidéo avec impatience, je suis excité de vous la faire parce que. Il va arrêter de courir parce qu'il y a un bolos qui joue avec le klaxon, il s'amuse. Celle-là, il va vraiment faire 58 minutes parce que je regardais l'heure, il est 5 minuit, il est 23h56, on le fera jusqu'à minuit 56. Ce sera tard, mais voilà les gars. C'est pour vous que je fais ça, c'est pour que vous ayez votre épisode 3. En plus, votre épisode 2, vous aurez deux épisodes pour la peine, je me ferai pardonner, hein, les mecs. S'il vous plaît, un peu de respect entre nous, les enfants. Alors, on avait mis un marqueur pour ce trou. Évidemment, vu que je suis un balance, je l'ai dépassé, bravo à me baisser. On a mis un marqueur pour cet endroit, on est arrivé, on va aller voir ce que nous cache cette zone. On va juste se planquer. Alors, je sais pas si c'est là derrière. Je fais du bruit là. Attention, j'espère que c'est pas là. Non, c'est bon, parfait. J'ai eu peur parce qu'en fait, on a un. Si vous faites ça, bah en fait, il y a des mecs qui vont foutre à la gauche. Ah, pardon, c'est moi. Ouais, je sais où il est, l'intérieur. Il est à l'intérieur. On va pas aller voir ce petit souvenir. Je vais défamer. Je sais pas du tout par où Sébastien Castillo nous vient de sortir le même. Ils sont battés les couilles. Bien. Wow, tu nous fais quoi là? J'ai jamais fait ça. Stylé. Alors, attends, juste pour améliorer la. Oh putain, mais c'est pas. Oh, tellement classe, t'es du masque. J'en ai plus besoin de toi, Rémi. Oh bah génial, allez, donne-moi ça, pété. C'est le pistolet laser, t'as vu ça? Va te faire enculer, ouais. Oh putain, c'est Jackie. Nique ta mère, Jackie. Le pistolet, j'ai le pistolet, c'est bon, j'ai le pistolet. Maman, ça la fly, hein. Voilà. Je vais pas casser les couilles maintenant, tu peux enculer. Voilà, le pistolet laser, allez, bim. Comme ça, tu perds le sirop à la menthe. Ah, le jeu de vue, qu'on appelle. Bon, j'ai Sébastien. Hop là. Alors le souvenir résiduel se trouve là-dedans, on va essayer de l'entrer, on va y pénétrer. Voilà, bah en plus c'est fermé à clé, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un verrou là-derrière, je sais pas ce qui se passe, putain ça qui s'est coupé. C'est quoi ça? Oh, oh du shit. Merci Philippe, de l'herbe. Enfin je vais pouvoir concocter ma propre cocaïne, ça sera génial ça. Et deux. Hop. Hop. Et le... Voilà. Ah, c'est bon, il y a rien. Ok, on reprend l'avancée extraordinaire du respecteur Castellanus.
Castellanus. Anus, si t'as pas compris la blague de merde. C'est génial ce Dido. Il y a des fails, il y a des blagues de merde, et en plus c'est un connard qui joue avec un klaxon et qui vient de me sauter à la gorge juste pour me manger. Ma vie est extra les gars, hein. Je sais pas vous, mais moi la mienne elle est géniale. Hein. Il y a des mecs qui me sautent à la gorge, c'est beau, c'est drôle, c'est sympa, c'est bon enfant. Moi j'accepte. Non je déconne, j'accepte pas en vrai, je vais faire foutre mais bon. Hein. Alors je crois que c'est ici l'entrée. Ah bah voilà, ce qui nous blaquait la route, c'est ce petit vélo. Si vous faites ça avec le petit vélo, là, regardez, me sautez le vélo. Et après on peut mettre des high kicks dans la porte, voilà. Ah ouais ça marche les enfants, hein. C'est un tuto YouTube hein, non je déconne. Tuto comment ouvrir des portes. Oh quel con. Voilà. On sait pas qui parle mais sans jaille le type, hein, il est heureux hein. Alors je crois que ça se trouve là-dedans, je sais pas si ça se trouve là-dedans, attendez on va rentrer dans le cadre, parce que je suis tellement con que je... peut-être que c'est juste en face de moi, mais je suis tellement con que j'ai pas vu. Ça c'est Lily qui pleure. Je crois que c'est là-dedans. Bon, on va de rentrer alors. Ah, de voir là sur la carte, on est au bon endroit déjà. Hein, pour pas qu'on se trompe. Ah, moi je crois que c'est vraiment à l'intérieur des enfants. Hein. Bon, on va aller voir si c'est à l'intérieur ou pas. On fait de rentrer par effraction comme nous sommes. Des mecs sympathiques et tout ça. Hein, voilà. Ah, oui, moi je retourne à l'infraction chez les gens. Allez, voilà. Je suis inspecteur Castellano. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Je me casse pas les couilles. Ouais. Bah, voilà. Bon, en plus. Bah voilà, vous avez le droit au petit bug des familles. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire dans cette vidéo. Non mais. Voilà, Sébastien, faut arrêter d'être con. Bleh. Ah bah voilà, on a trouvé l'entrée, c'est là. Ouais, je vais vous aller ici. Je sais tout. Ok. Vous avez entendu ce que j'ai entendu. Ah mais oui, c'est vrai. Je vous expliquerai après c'est quoi. Alors on va rentrer ici. On va rentrer à la. On va toquer à la porte. Toc toc toc. Ah bah même pas besoin. Bonjour. Parfait, il y a même un petit souvenir résiduel. Voilà il y a. Attendez parce qu'il y a ce vieux bug du. Bon, je débranche mon micro, je vous laisse. Il va falloir que j'aille voir ça. Absolument. Et du coup, on va se retrouver à activer le courant. Les petits courants. C'est un mini-jeu. Hein. Je crois que c'est comme ça. Comme ça. Ah d'accord, je crois que j'ai trouvé. Hop. Hop. Je suis vraiment trop fou. Ok, c'est le moment de la galère les enfants. Ah ben voilà, c'était juste ça. Et là, on rencontre l'ennemi le plus compliqué du jeu. Il va bientôt apparaître, attention, écoutez bien. Voilà, voilà, le clicker de The Last of Us, pardon. Alors, on appelle ça un damné, si je ne me trompe pas, et ce damné, vous voyez, cette madame, elle résiste au coup de couteau. Allez, je vais vous montrer une démonstration. Hein, mais... Ah voilà, elle s'est retournée, cette salope, tu vois, et maintenant, elle m'a agressé avec un... Ah, merde. Madame, quoi.
Bah quand je te dis coucher, salope. Je peux quand même ici. Je me cache parce que j'ai fait du bruit, du coup j'ai peur qu'on m'ait entendu. Attends, what? D'accord. Alors je crois que la meuf est sortie par là. Hein. Excusez-moi si je me trompe, mais je crois qu'elle est sortie par cette porte. Et ce qui est con, ce que je vais vous dire, c'est qu'elle est jamais sortie. C'est que j'ai jamais su où se trouver cette porte. D'accord, bon, en fait on a bien fait de ne pas y rentrer, c'est de la merde. Hein. Il y avait que de la merde dans cette porte. Putain, I am so dégoûté. C'est juste qu'il y avait cette salope enfermée là-dedans. Bon bah c'est tout. En fait ils ont réussi à l'enfermer. Bah GG les enfants, je sais pas comment vous avez fait pour kidnapper ce putain de Pokémon. Bon. Alors on va sortir. Des voitures qui sont en suspens, on s'en balec. Alors on prend les petits clés. Souvent on prend tout. On prend tout, on est ouf. Alors ici en plus on aura une autre zone de renaissance. On va aller voir ça immédiatement. Voilà, on va aller voir ce qui nous cache. Ces petits connards de renégats de mes burnes. Parce que nous aimons voir ce qui nous cache les renégats. Nous sommes des petits fouineurs en vrai hein, dans ce jeu. Nous sommes des salopins. Nous sommes des vrais salopins. Nous allons aller nous concocter du matériel. On récupère le matériel et maintenant on se tire. Enfin, si j'arrive à me tirer. Bah, en plus du glu-glu, voilà, pour le glu-glu parce que du glu-glu c'est sain. Pour la santé. Ah, c'est quoi? Ah, bah ça, c'est un bouton magique qu'on a déjà vu. Voilà, et t'as l'ombo, Jacqueline. Elle est prête, connasse. Bon, maintenant elle est morte, Jacqueline. Ça fait plus rien de l'ombo. Alors si vous entendez les bruits là, c'est je fais dans la merde hein. Parce que vous voyez y a des pieds qui traversent hein. Oh putain Tommy. Mais Tommy range ça s'il te plaît, t'es mort hein. Putain Tommy. Tommy c'est vraiment une pute. Nous allons la poursuivre de résonance. Alors petit coup de jus d'orange des familles. Je dis pas la marque. Ah, j'ai envie de découvrir ça ici. Oh fuck! Ok, tu dis ça en noir. Pardon, messieurs! Je vais pas vous déranger pendant votre toilette, je suis désolé! C'est dommage que j'ai pas des munitions! Ah ouais, la jauge d'audience qui s'est vidée, les enfants. C'est bon. C'est bon. On a réussi à son. On déveste, on déveste. On est ouf. Allez, on va. On tire les sens, c'est bon. Non je déconne, hein, c'est plus intéressant et tout, mais bon voilà, tu m'as rien compris c'est là. Alors j'ai des voies derrière cette porte. Alors je pourrais y rentrer. Mais en fait ça va être des. En fait dans cette dernière porte tu vas juste trouver une cinématique avec un. Bon je vais vous le montrer. Bah, par contre après il faudra courir ses morts, hein. Je vais aller voir pourquoi. Oh,
Il est mort. Oh putain, c'est la reste. Oh merde. Ok, run. Ok, c'est l'heure de la fuite, Maurice. Rien à branler. Mais t'as l'air. Voilà. Putain. J'ai tué le type d'un coup de couteau. Excusez-moi. Arrêtez, messieurs, arrêtez, il y a un respect. Oh putain, dit que sa mère. Ouvre la porte, Jacqueline. Oh putain, non. C'est qui là? Allez. Attends, je suis concentré. Un frère, vous m'avez pris pour qui là? Niquez-vous. Sors. Ah putain. Ta gueule. Voilà. Ah putain, c'est parti en sucette. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah c'est parti en couille, hein. C'est parti en couille, Maurice. Oh, putain. Ah que c'est parti en couille, sa mère. Hein. On va se poser dans la salle de bain avec ça. Ah trop de fond. Comme ça. Alors les gars, il est dans la merde. Il ne reste plus que 3 munitions de pistolet. Parce qu'il y a une bande de pédobos qui nous ont agressés. Je coupe le micro. Signal. James, putain, t'es où? Ramène 3 minutes sur l'information, Mathieu. Tu vas chialer, je vais croire. Direction le centre d'information. Alors voilà, hein, c'est des renégats, ils établissent des plans, ils vont aller tuer les survivants qu'ils ont pu trouver. En fait, je vais pas dire qu'ils ont eu une bonne idée, hein. Mais c'est juste que le fait que sauver tout le monde, ce serait couler sa propre part. Il y a tellement de gens qui pensent qu'à eux que pour eux, mourir en voulant protéger, c'est un peu que une trappe secrète. Bonjour la trappe. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans, allez hop. Donc je disais, ouais, ils veulent vraiment pas risquer leur peau, eux, en fait. Ils veulent vraiment que les autres meurent pour qu'ils survivent. Alors, est-ce qu'on peut accéder à ça? Parce que je vais vous montrer ça. Ah, c'est bon. Cet ordinateur fonctionne toujours. Alors, nous pénétrons dans le temps de chargement d'un environnement. En fait, grâce à ces petits ordinateurs, vous arrivez à vous téléporter à des environnements. Hein. Et là, on va se téléporter dans ça. Là, vous pouvez voir 10 piliers, 10 gros piliers. Ah bah voilà, le chargement est fini. Donc là, il faut activer le simple ordinateur. Pardon, monsieur l'ordinateur. Excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, on fera tout ça évidemment dans la prochaine vidéo. Hein. Ça, je vous montre juste cet environnement. Dans la prochaine vidéo, pourquoi? Parce que vous avez tout de scénario à avoir. Il faut du scénario, les enfants. Hein. Il faut du scénario. Si vous n'avez pas de scénario, c'est un cochon à LP, moi. Hein. Putain de merde. Je fais mon LP pour vous, moi, les gars. On fait un LP au calme, comme ça, hein, servi. Ok, quoi, de la merde, on a plus du dur. Putain. C'est fini. S'il y a plus de dur, c'est qu'on a pas de chance de survivre, les gars.
Voilà, putain. Et le chargement, il est lent, putain de merde. On va discuter. Hein. Bref. Que pensez-vous de la vie? Le temps que ce petit chargement est bientôt fini, là c'est bon, il reste bientôt quelques pourcents. Ah, il est lent, il est lent. Hein. Ils ont sorti plein de patchs, mais ils n'ont jamais corrigé ce putain de chargement de merde. Hein. Il est lent. Hein. Et il est lent, moi j'en ai, il est lent. Alors demain, si jamais vous voulez les jeux du mois PlayStation Plus, c'est Beyond Two Souls, donc Beyond Two Souls, le jeu PS3 hein, qui est sorti à la fois sur PS3 et là il est sorti sur PS4. Et Rayman Legends. Alors Rayman Legends, moi je vous conseille de le prendre pour l'histoire si vous avez envie de vous faire un petit jeu de plateforme au calme et tout ça. Alors moi je vais le prendre pour les deux raisons, jeu de plateforme et parce que avec, on peut faire une coop à 4 et j'aimerais bien rigoler avec mes potos sur ce jeu. Voilà. Allez, on est revenu. Alors les gars, on va continuer ça plus tard. Hein. On va continuer ça plus tard. Là pour l'instant, on va aller chercher le centre d'information. Et après, on ira chercher Lily. Notre chère petite fille. Oh, du matériel. Parfait. Hop, hop, hop. Par contre, j'ai trouvé un sirop à la menthe. J'ai bien envie d'aller chez Tatiana. On ira chez Tatiana plus tard. Parce que oui, la doctoresse s'appelle Tatiana. C'est le petit. Oh oh, c'est quoi ça, Bobby? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est, les commodes? Il y a rien dans les commodes, on se met tous qui vont planquer de la farine dans les commodes. Hein. Et la porte est verrouillée! Faut aller. Chose qui me cherche. Je sais pas, ouais, c'est fabuleux quelque chose, mais il me cherche. Ah, ça me cherche, hein. On a du mal à détruire la tequila parce qu'on a deux en stock. Hop! T'es qui là? Oh! Ah bah je crois. Non, je crois que c'est dehors les gars, je crois qu'il y avait rien. Non, c'est bon, c'était décidé, on va aller ça. Vous avez juste les arrêts de nous faire chier. C'était pas une vanne, il y avait vraiment des mecs qui sont juste là en fait. J'ai cru que c'était une porte qui était sur le côté pour rentrer sur le côté. Oh, vous voyez le mec là-bas, il a un truc. Bon, je me casse. Et merde. Alors si jamais je cours comme ça, hein, c'est je stresse, notez-le. Parce que vous voyez quoi, comme un playo là, c'est que je stresse. Parce que c'est stressant de te dire qu'il y a un truc qui te court après. Bonjour messieurs dames.
Lumière, s'il vous plaît. Oh putain, what the fuck? Alors, c'est dans cette porte, apparemment. Oula. Oula, vous entendez ça? Oh merde! Je reconnais ce style. Encore lui. Ah, si vous jamais vous savez c'est qui, c'est notre tueur aux origami. Bon, je laisse écouter. Pas ma gueule. Oh mon pauvre âme, tu t'es fait schneck! Ça ressemble plus à une exécution. Oh, tu t'es fait schneck! Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Oh, tu t'es fait tellement schneck, mon gars! Oh, cette balle dans la nuque! Oh, rien que pour ça, ce mec, je l'aime! Ah, cette balle dans la nuque! Ah, vous voyez! Ouais, derrière la porte, ouais, y'a rien, attention. S'il te plaît, motherfucker! Fais chier, où il est passé? Et là, on se retrouve téléporté. C'est flippant, hein. C'est The Evil les enfants, mais c'est The Evil, c'est normal, c'est flippant comme ça. C'est là. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Putain, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible, c'est affreux. Oh merde. Oh putain. Oh merde, tu as la clé. Là-bas, les gars, on va la récupérer. Il faut qu'on aille récupérer la clé, hein. Sinon la clé on peut pas sortir. On est juste là. Viens. Viens, lui, papa, viens. Ah, son pouvoir. Eh merde. Ok, faut qu'on fait une concentration du Geron. Et où est la clé? Alors, c'est là la sortie. Oui. Où la porte, Sébastien? Allez. Vers la sortie! C'était bizarre. Même pour cet endroit, la planque est juste là. Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix. Eh ben oui, hein. Autant faire ça. Ah, c'était badant. Putain. Oh, on prend la planque.
Là, c'était flippant, hein. Ah, je savais que c'était flippant. Hein. Hop là. Je suis vraiment con, moi, c'est la porte derrière. Un baisser, bien sûr. Ah, sans déconner, les gars. C'est pas la première fois que je vois cette scène, c'est même pas la dernière fois. Voilà. Je vais tout de suite. Ah, je monte de ça! Vous avez trouvé? Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai? C'est pas la pire idée de la journée, c'est dit. Vous commencez vraiment à me briser, Unil. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin d'enfer, il y aurait pas besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça. J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, Mobius n'a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre de vous. Comment ça? Il vous a envoyé ici, pas vrai? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. Ah, nous casse les couilles, cet enfant, hein, nous casse les couilles, on est d'accord, hein. Oh, c'est un fils de pute, hein. Oh, c'est une salope, hein. Ah, ouais, les gars, je suis désolé, mais je bosse pas avec un type pareil, hein. Non, alors là. Je suis peut-être vendu, mais je suis pas acheté, connard. Pas déconner 5 minutes. Ça va être plus silencieux parce que là, sinon, ça va partir en couille. Voilà, on va prendre un petit de gauche et le café. Voilà. Alors on va aller voir Tatiana pour s'améliorer, pour s'update un peu, hein, parce qu'il faut, hein, il le faut. De l'auto de l'autre côté du miroir. Ça, ça n'a pas eu ici, pas de problème. Ah voilà, la petite chaise. Préparez-le pour le satanisme de la suspension. Attention, 3, 2, 1, mon ami! Vous avez rapporté. Oh, je ne fais plus jamais ça! Une clé? Parfait. Certaines clés ouvrent les portes de la perception, mais ce n'est pas l'une d'elles. Celle-ci est plus commune, mais tout de même utile. On appelle ça un casier, espèce de pute, ouais. Les codes, c'est enfant. Saisis, ouvrez-en un. Son contenu aura plus d'utilité entre vos mains. Pour moi, j'ai ramené les codes, mais j'ai pas de clé. MDR. Un peu moins con, celle-ci. Bref. Est-ce que je peux, s'il te plaît, m'update? Voilà. Il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Ah, là, vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Voilà, on améliore l'endurance à fond. Pareil pour la santé, Bobby. Parce que la santé, là, oh, la stone. Tenez vite, Philippe, hein. Et la poussière, là. Voilà. On a plus. On en avait plein et maintenant on en a plus. C'est tellement drôle cette vie. Ah, j'ai kiffé ma vie. Putain, pardon. Tout ça pour ça. Allez, on va. Voilà. Et moi je me tiens. Et reprends là ta petite machine de merde et je me tiens. Chaîne galeuse de mes couilles. Excusez-moi, hein. Excusez-moi pour les insultes, c'est direct, c'est violent, voilà. Alors on a vu la mission secondaire à mettre l'échelle camarade, donc je pense que nous pouvons attaquer la MB. La merveilleuse MB, elle est où la 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 MB, elle est là la MB, on va aller à la MB. Ouais, c'est loin la mission principale, la MP, connard. Voilà, hop, c'est plutôt loin quand même, hein, faut pas déconner, hein. Vous savez quoi? Vous savez quoi? On a fini l'histoire, la mission principale. Je vais mettre l'épisode 1 et 2.
L'épisode 2 et 3, pardon, hein, cet épisode-là et l'autre épisode, vous savez celui où on a cherché le train, on avait cherché les signaux. Et j'ai pas nommé épisode 2, j'ai nommé épisode 2 et 3. Et la mission secondaire Signal Rebelle, partie 1, Signal Rebelle, partie 2. Voilà. Parce que c'est une mission secondaire. Donc sur ce, je vous dis à toutes et à tous, au revoir très cher. Je vous dis bye bye, c'est quoi ça? Putain, j'ai jamais vu ça en vrai, c'est quoi ce truc? Bon, on s'en va les couilles. Sur ce, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, je vous dis à tout le monde et à tous. À ciao!